Merci d'être au rendez-vous de cette demi-finale. Une rencontre à ne pas rater pour les joueurs qui vont devoir tout donner, physiquement et mentalement. Bienvenue à vous dans l'un des plus grands stades brésiliens, le Morumbi. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tullet qui nous donnera son regard si particulier sur ce match. Merci Grégoire, c'est un grand match qui s'annonce aujourd'hui avec deux belles équipes. Un match qui s'annonce palpitant. L'arbitre donne le coup d'envoi. Il joue dans l'espace. Il a centré. Un peu d'oxygène pour sa défense. Ce n'est que le début du match, mais on attend que ça s'emballe un peu. Un coup de sifflet, ce sera une faute. C'est bien, conserver sa lucidité maintenant. C'est centré. La tête, elle est magnifique. On est à la moitié de cette première période et toujours aucun but. C'est un coup franc. Le long dégagement du gardien. Il tire. Ils ont notre chance. Le but pour São Paulo. La défense l'a un peu oublié, manque de concentration. Oh là là, c'est pas bon signe quand on encaisse un but comme ça. Il faut boucher les trous et vite. Le jeu reprend, ça fait 1-0. Ils ont le match en main, mais attention à bien rester concentré.
Oh, la grosse occasion! Il file vers le but. Oh, c'est sans conséquence, mais quelle prise de risque inutile! Il va se faire secouer par son entraîneur là. Cette perte de ballon aurait pu leur coûter cher. Continue à avancer. Oui, il peut frapper là! Un grand dégagement le plus loin possible. Le coup de sifflet, l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. Ça va être l'occasion pour les joueurs d'écouter le discours des entraîneurs. L'équipe a vraiment trouvé son rythme dans cette partie. Ça combine bien, il y a de l'application dans les gestes. Et personne n'a peur de tenter sa chance, c'est bien. Un petit but sépare les deux équipes, 1-0 à la pause. Et c'est le coup d'envoi, encore 45 minutes. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Quelle occasion, attention! La puissance, toujours la puissance, mais la finesse, ça marche aussi. Essayez de s'appliquer sur ces corners. Il la repousse. Oh, l'inspiration! Oh, ça se joue à rien! Ah, c'était ambitieux, c'est sûr. Mais à cette distance, il aurait fallu un exploit pour battre le gardien. Il faudrait faire rentrer des joueurs frais, il leur reste deux changements. Jusqu'au bout. Et l'autre tir. Oh, le manque de réussite. Il domine carrément en ce moment et s'est passé tout près deux, trois fois. On sent qu'à force de tenter, ils vont finir par réussir. Oh, il aurait bien pu ajouter un nouveau but. C'est un cauchemar pour les défenses. Et si on veut le marquer individuellement, eh bien, on prend le risque de laisser des espaces pour ses coéquipiers. Le ballon est repoussé. Il garde la balle. La surface était surpeuplée pour le coup. Impossible de déclencher un tir correct. Le gardien loin devant. C'est bien joli tout ça, mais quel manque d'ambition! L'arbitre ne va pas tarder à siffler la fin du match! Il joue dans l'espace! Quelle frappe! Au nouvel essai! Et c'est un but! Oh, c'est bien parti maintenant à ce moment du match! Ça commence à sentir très très bon! Et quand on laisse un joueur démarquer comme ça, on s'expose à une sanction immédiate, non?
Vous savez, il paraît qu'on voit deux choses de l'espace. La grande muraille de Chine et le trou dans leur défense. C'est dire. Voilà ce qu'on appelle un coaching gagnant. Et il marque quasiment sur son premier ballon. Incroyable! Je crois qu'on peut le dire sans prendre de risque, c'est plié. Il concède un coup franc. Le voilà averti, il n'y a pas grand chose à redire. Oh, ça sert à rien de s'exciter comme ça. Repensez au jeu tout de suite. Il reste 5 petites minutes maintenant. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Oh, voilà le coup de sifflet final. C'est fini. Ils voulaient absolument s'imposer devant leur public. C'est fait. Reste maintenant à préparer un match retour qui s'annonce très compliqué. Il y a eu tout dans ce match. Des occasions, des duels. On s'est régalé. J'aimerais pouvoir commenter des matchs comme ça, mais tous les week-ends. Bonjour à tous, il ne reste plus que 4 équipes en lice, nous sommes au stade des demi-finales. Et c'est parti! Il garde ce ballon. Énorme occasion! Oh, il y avait de la puissance dans ce tir! Alors, comment vont-ils jouer ce corner? Et le bon dégagement. Le ballon sort en touche. Ça sent la frappe. Allez jusqu'au bout. Une frappe à quelques millimètres. Oh là là, pas de bol, ça passe juste à côté. C'est dommage, mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe. Déjà deux frappes, il manque beaucoup d'intention ce début de rencontre et ce n'est pas pour nous déplaire. Ils ont pris l'ascendant dans cette rencontre, mais pour l'instant, ça ne se reflète pas au tableau d'affichage. C'est vrai qu'ils sont bien dans ce début de match. Ils ont déjà quelques tirs à leur compteur et ça pourrait bien finir par payer.
occasion ça. Et on attend encore le premier but de cette rencontre. Tout seul. Il peut y aller. Oh, c'est loin du cadre. Et c'est compliqué de trouver le bon appui, d'apporter de la puissance, trouver le cadre. C'est très, très compliqué. Oh, il est solide dans ses duels. Et ce serait sans doute une bonne idée d'ouvrir le score au meilleur des moments possibles, juste avant la pause. Il y va tout seul. Attention, la frappe! Oh, le manque de réussite! Il domine carrément en ce moment et s'est passé tout près 2-3 fois. On sent qu'à force de tenter, ils vont finir par réussir. Sampaolo, oh, qui n'arrive pas à concrétiser sur cette énorme occasion. Oh, la tête! Il manquait pas grand-chose, là. Ah! Ça aurait pu faire, je ne sais pas passer loin. Accélération. Dans le dos de la défense. Le but pour Sampaolo. Quelle fin de première période renversante. La défense l'a un peu oublié, manque de concentration. Il a bien exploité l'espace devant le but et à partir de là, c'est très difficile de l'arrêter. But. C'est reparti, ça fait 1-0. Il mène au score, maintenant il ne faut pas laisser l'adversaire revenir. Longue ouverture. Et c'est la fin de la première période de cette demi-finale. Et il mérite de mener à la pause, le public est satisfait, il faut qu'il continue comme ça. Le score donc 1-0, on espère encore plus de jeux, de spectacles au cours des 45 prochaines minutes. Et c'est parti pour la seconde période de ce match. Ça joue long. C'est superbe, mais ça ne donnera rien. Quelle inspiration. Repiquer dans l'axe comme ça, c'était génial. On sent qu'ils vont aller chercher ce but. Et pourquoi pas maintenant? Ils font bien tourner, mais ça manque de verticalité. Quel but important au meilleur des moments possibles, juste avant la pause.
Ils n'ont pas encore fait un seul changement, c'est important. Continue à avancer. Il glisse le ballon en profondeur. C'est repoussé. Oh, ils auraient pu payer cash ce ballon perdu. Essayer de s'appliquer sur ses corners. Attention, la frappe! Il peut en profiter! Ça aurait dû faire 2-0, ça. Il aurait pu donner de l'air à son équipe. Il va être déçu, c'est sûr. Oh, c'était pas loin. L'équipe entière tourne autour de lui, c'est clair. À la limite, l'équipe joue pour lui. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Une très longue passe. Oh, il est parti là! Il a pris tout le monde de vitesse. Il frappe! Et le carreau se dérobe largement. Il pensait clairement qu'il avait sa chance, mais pour marquer à cette distance, il faut soigner ses frappes. Allez, il reste 5 petites minutes maintenant. Continue sa course. Un bon centre dans la surface. Oh, la tête! Pas de réussite! On aura droit à 4 minutes de jeu supplémentaires. Coup de sifflet de l'arbitre, le match est fini. Oh, les voilà au final, que c'est beau. Maintenant, il faut aller au bout. Ah oui, mais on reste un petit peu sur notre faim quand même. Après une bonne première mi-temps, les défenses ont pris le pas sur les attaques dans la deuxième.